Aujourd'hui, nous sommes à l'INSEP, devant moi la salle de badminton de l'INSEP, et on va assister à l'entraînement d'un joueur professionnel de badminton qui devra arriver d'une minute à l'autre. Ah, je le vois à travers la vitre. Il arrive. Suspense, suspense. Si vous ne connaissez pas le joueur qui est juste derrière cette porte, vous avez peut-être déjà vu cette vidéo et ce point extraordinaire qu'il a réalisé il y a quelques années. 2 millions de vues sur YouTube, rien que ça. C'est Jordan. Le voilà, Julien Maillot, ça va ? Joueur professionnel de badminton, qui a été troisième des championnats d'Europe junior en double en 2013. C'est ça, ouais. Je me suis renseigné. Hein. Ouais. Et puis qui est aujourd'hui encore sur le circuit international en double. En double seulement. Tu fais que du double. Hein. Pour le moment, que du double et je vais peut-être recommencer en mixte la saison prochaine. D'accord. Ah, c'est peut-être un... une excuse là, que tu nous donnes. Bah peut-être, ouais. Et la deuxième excuse, ce sera peut-être aussi avec ma copine actuellement en mixte. D'accord. Mais t'as pas peur que... Bah j'ai pas peur d'essayer, mais on verra bien ensuite. D'accord. La salle de badminton de l'INSEP. Pas mal. Ah, y a un paquet de terrain là. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et bah heureusement que c'est pas mal parce que je m'entraîne quand même deux fois par jour tous les jours ici. Ouais. Donc voilà, là c'est vraiment la deuxième maison. Donc si je comprends bien, tu m'as dit qu'aujourd'hui tu avais 1h30 d'entraînement et qu'après on faisait un petit match. Voilà, c'est donc ça. Donc c'est l'échauffement quoi, 1h30 d'entraînement. Ah, ça va être le gros échauffement pour moi. Et par contre, toi, va pas falloir que tu traînes pour t'échauffer aussi parce que devant l'objectif, faut que tu sois à fond. Hein. Ouais, c'est... je te garantis pas de me marquer beaucoup de points, mais je vais faire le maximum, comme voilà. D'hab. Ça roule. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je profite que Julien soit en plein entraînement pour vous en dire plus sur son palmarès. Julien a été vice-champion de France du double messieurs il y a seulement quelques jours avec son partenaire Éloi Adam. Avant cela, il était le triple tenant du titre puisqu'il a été champion de France de double messieurs en 2017, 2018 et 2019. Ce qui m'a le plus impressionné en voyant Julien s'entraîner, c'est son jeu de jambes et son explosivité. Ouais ! Ce matin, je me suis dit, ça va être dur. Ça va être très dur, mais bon. Un bon début de séance. T'as rien perdu, là ? Là, non. Là, ça a été solide. Quand je le vois faire des coups comme celui-ci, je me demande si je vais réussir à marquer un point dans quelques minutes. Ça y est, après 1h30 d'efforts intenses, c'est la fin de l'entraînement. Bon, ça transpire là ou pas là ? Ouais, ça transpire pas mal. Je crois que là c'est fini donc ça fait du bien quand c'est fini. Bah attends, on va jouer ensemble là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais prépare-toi. C'est maintenant quelque chose sérieux. Tu te prépares toi. Je veux dire, toi t'es prêt comme un gardon, je suis un peu. Je suis déjà sec. Mais écoute, c'est parti, hein. Tu me laisses juste 2-3 minutes. Vas-y, faut que je me change aussi. Ouais, c'est parti. J'espère que t'es chaud parce que ça va cavaler, mon cas. Allez, oh ! J'ai comme l'impression que Julien a envie de me faire souffrir lors de ce set. T'as le droit d'utiliser le cordage, par contre, hein, hein. C'est quand même assez frustrant de le voir jouer au ralenti pendant que moi je suis en train de courir aux quatre coins du terrain. Allez! 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 Non! Allez! Je remporte enfin mon premier point. Donc les deux ça se vaut. Okay. À très haut niveau, tu vas avoir beaucoup de services courts. Ok, moi je joue au très haut niveau. Ouais, bah, je m'en doutais. Oh là là, il y a eu cassage de... Et ça fait point, hein. Ça fait point, hein. Il y a eu cassage de drone et point. C'est quoi les scores, là? T'as suivi ou pas? 2-0 pour moi, non? Oh, c'est dommage. Il était bien centré, celui-là. Il était mieux centré. Au lieu d'être là, elle était un peu là. Ah quoi. Là, c'est ça. On a entendu le cordage.
Il m'a fait croire qu'il était sec, mais c'est moi plutôt qui ai envie de cracher mes poumons. Elle est bien centrée en plus. On peut amener une bonbonne d'oxygène pour Jordan, s'il vous plaît? Ça serait pas mal, ouais. Oh ah, il aime pas, là, regarde. Ça va, il aime pas. Il aime pas. Il est vraiment pas sympa avec moi et il se permet même de faire le show et d'enchaîner deux coups entre les jambes. Tout y passe, il se permet même de me faire une petite feinte, mais je ne suis pas tombé dans le panneau. Là-bas, il est mis là-bas. Ah, dommage. Bon, pour moi, le coup dommage. Entre les jambes, c'est pas synonyme de réussite, hein. Non. Je lui ai dit qu'il t'avait bien servi en revers. Mais oui. J'aurais pas dû. Ah oh, oui. Ça, elle est belle. On va montrer que ce point-là, là. Elle est belle. Le côté qu'il aime bien. Allez, on sort là-bas. Ah. Non, là-bas. Il aime pas. Ah, il m'a trouvé mon point faible déjà. Quelle différence de vitesse, de toucher, de vision. Il se moque de moi et j'ai l'impression contre lui de ressembler à un débutant. Bon, en même temps, j'en suis un petit peu un quand même. Pardon, j'ai touché une partie sensible. Ah, là, on est bon. Il va se venger là, il va envoyer. On a touché le deuxième cerveau là. Ah, oh. Ça a été faux. Non, en fait, c'était bon. Oh. Oh! 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 Ah. Merci. Bien joué. Merci à toi. Bon, t'as un bon j'ai encore un peu de boulot. Bah, franchement, non, je m'attendais à que tu sois plus en galère que ça. Le volant de la défaite. Merci. Hein. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah! Là, je t'offre mon t-shirt de l'équipe de France. Voilà, t'as oh, le petit magnifique. Logo. Et puis, je pourrais te la raconter si tu fais un petit bad avec les potes. Merci Julien, c'est gentil. Le petit t-shirt, FF Bad, Julien Maillot. Tout le monde va me prendre pour un pro avec ça. Yes. Merci. Merci Jordan.